Heureux YouTube, la suite de Nobody Saves the World. Nous sommes un cheval, car le cheval c'est trop génial. Vite, la table ronde. Et je me tarifais toute la journée, si mon âme le demandait, c'est mon idole. Je casse des trucs avec mon cheval. Parce que le cheval, voilà. Je vais arrêter de faire cette blague. Lucius, la moralité, l'art. Non, le gouffre qui sépare l'homme du rêve bien plus élémentaire. C'est tout simplement la capacité à encaisser un coup de poing. D'accord. On se souvient. On rappelle le chevalier temporaire. J'ai comme de l'idée que je serai bientôt remplacé. Alors, Amanda, qu'est-ce qu'elle veut? Je vous en dois une. Merci d'avoir défendu le royaume. La tempête de cette nuit m'a réveillé en sursaut et ce matin, des monstres avaient envahi le château. C'est la première fois que je vois une chose pareille, mais je connais les légendes. Un incident similaire s'est produit il y a fort longtemps, quand une créature mystérieuse s'est abattue sur la contrée. Les gens l'ont baptisé la Calamité. Les héros de l'époque réussirent à la chasser à l'aide d'un joyau magique, la gemme arcanique. Et après la défaite de la Calamité, la gemme a été scindée en 5 fragments. Et si je me souviens bien, l'un des fragments était caché dans les catacombes de la reine sorcière à l'est, et un autre dans le robot antique à l'ouest. Eh ben très bien. Oh, ça a l'air loin. Oh, ça a l'air loin. Je vais demander aux gardes de vous ouvrir les portes. Avant que vous partiez, feriez-vous l'honneur de rejoindre nos rangs? Nous sommes la guilde des chevaliers. Nous ne sommes peut-être pas parfaits, mais nous faisons de notre mieux. Et vous pouvez parler aux différents membres de la guilde pour obtenir des quêtes. Et pour commencer, vous aurez le rang d'écuyer. Et bonne chance. Cimer. Écoutez, allons-y. Soyons un écuyer. Et tu veux se marquer des yeux, Portio? Je ferais savoir que moi, le chevalier baraqué, j'ai fini premier de ma classe quand j'étais de l'académie des chevaliers. Et que j'ai arpenté le nombreux donjons et que j'ai dévoué plus de 300 messes. Et je crois vraiment être le premier noob venu pour intégrer la guilde des chevaliers. On suit non seulement un entraînement rigoureux au combat avec Urga, et mais en plus, tous les jours, on s'entraîne au tir à l'arc sur le champ de tir du roi. Si tu veux nous prouver que tu seras pas un point mort, montre-nous ce que tu veux avec un arc en relevant le défi du champ de tir du roi. Je suis sûr que tu vas échouer, Minus. Très bien, bah écoutez, allons prendre toutes les quêtes du monde. Vous avez l'air de savoir vous battre. Hein. Vous voulez bien m'aider à vaincre quelques monstres? Retrouvez-moi à la courge sinistre. Très bien. Oh, c'est loin. Oh, c'est loin. Excusez-moi, vous pouvez nous aider? On cherche quelqu'un qui soit capable de nous aider à vaincre des monstres particulièrement coriaces. Vous voulez bien vous rendre au donjon de Toptopi? Très dur à dire, Toptopi. Je vous y attendrai. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh, le 100% va être long. Hein. La science, la moralité, l'art. Oui, c'est bon. Je me nomme Morora, le moine cogneur. Je suis capable de tuer un rat d'un simple coup de poing. Amenez-moi n'importe quel rat, je vous montrerai à quel point cette infâme créature n'est qu'inférieure. Eh bien, ça tombe bien. Voilà. Je ferais peut-être mieux de sauvegarder. Allez, sauvegarder d'abord. Vous avez déjà entendu parler du bestiaire de l'ermite? Selon la rumeur, il renfermerait des secrets sur les points faibles des monstres. Et je crois savoir où il a été enterré, mais je ne veux pas y aller seul. Si ça vous dit de m'accompagner, retrouvez-moi dans la grotte de la forêt ancestrale à l'ouest. Ah bah ça, c'est pas loin. Eh bah faisons ça. Voilà, on va aller faire une quête avec Lara Croft. Voilà, petite sauvegarde qui va bien. On va casser la gueule de l'autre. Aucun problème. Très bien. N'incarnez rien, vous n'aurez même pas le temps de souffrir. On peut y aller? Ah, il m'a cassé la gueule. Incroyable. Ah mais attends. En plus je peux pas me transformer quoi. C'est très bizarre. Ok bah écoutez très bien. Pour l'instant de toute façon... Alors, il faut qu'on aille ici. Et comment on y va ici? Il faut passer là en bas. Eh bien, c'est parti. Je peux toujours pas aller là-bas pendant ce temps-là. Ok, allons-y. Let's go. Allons faire la quête de Lara Croft. Attendez, attendez. On va faire ça différemment. Je vais prendre le cheval. Histoire d'aller un peu plus vite.
ce vendeur dégueulasse qui est partout. Ah oh, mais attendez, Nobody is ready to fight the limas. But you won't have any choice, you fool. Je me fais casser la gueule. Je suis trop lent. Par contre les projectiles c'est un peu pas ouf la limas quand même. Ceci dit, il faut que je la monte, donc allons-y. Allez, c'est parti. Y'a pas de la bouffe quelque part? Oh, c'est fort quand même. Oh, c'est Isaac quoi. Je sais pourquoi j'aime Isaac. Hein. Mais grâce à vous, on commence à ouvrir les domaines royaux. À la forêt ancestrale s'étend de l'autre côté de cette porte. Mais il grouille encore de monstres en liberté. Allez, remets ma gueule et on y va. Oh la limace quoi. Un plaisir insane. Vas-y viens, tu me fais pas peur, hein. Je suis une limace. Hein. Tu sais pas toi. Tu connais pas les bails toi. Oh, regardez-moi ça, mais c'est incroyable. Limace est destructrice quoi. Elle est incroyable. Ça c'est quoi ça? C'est un donjon? C'est une porte? Il faut que j'aille voir. Je suis une limace bien curieuse. Je vais rencontrer des Nosferapti. Oh parfait. Salut, j'ai une petite meilleure version de Manaric pour toi. Ça tombe bien, je l'ai cherché. Ces cons là. Ah bah non, c'est là que je vais aller, non? Oh, je sais plus. Je perds l'esprit. Ah oui, c'est là, parfait. Je suis exactement où je voulais être. La vie est bien faite quand même. Alors qu'est-ce à dire? Eh voilà, le bestiaire d'ermite devrait être quelque part dans le coin. On pense que ce livre pourrait nous aider à vaincre les monstres de la calamité. Maintenant, j'ai plus qu'à prononcer la formule magique arcanique qui permet d'ouvrir cette grotte. Ahem. Citron meringué. Oh, une petite tarte au citron meringué là. Et voilà, on peut entrer. C'est parti, hein. Entrons dans la grotte, c'est moi qui vais tout me taper comme d'habitude, mais... Pourquoi pas? Il y a deux chemins. Le premier se séparer. Prenez celui de gauche, je passe à droite. Criez si vous trouvez la bestiaire. D'accord. Donc elle fait quand même quelque chose. J'aimerais bien savoir ce que ça fait si je vais à droite. On peut pas. Eh ben très bien. Un petit peu de chocolat. La limace c'est un animal qui raffole de chocolat. Comme les chiens d'ailleurs, sachez-le. Toujours donner un peu de chocolat aux chiens quand ils sont gentils. C'est faux. Ne faites pas ça. Bien, c'est parti. On dirait que je chie mucus. C'est un peu gênant. Allez, venez, allez, 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 venez, allez. Vous pouvez pas vous mesurer à la limace. Je suis bien trop puissant. Maintenez A pour toucher des limaces. Les ennemis ralentis. Oh là là, mais tant de choses. Mais regarde-moi ça. De l'expérience parmi les. La limace monte de niveau. Ce plaisir de jouer à ce jeu. Bave glissante. Maintenez pour glisser rapidement sur une traînée de bave d'escargot. Oh là là, très bien. On va pouvoir se déplacer un peu plus rapidement. Avec notre ami la limace. Ok, après il faut faire quoi? Toucher encore plus d'ennemis ralentis avec effusion de larmes, d'accord? Courez avec bave glissante. Ben, c'est parti. Oui! Et regardez, je crois qu'on l'a trouvé, il est sûrement dans ce coffre! Ça a l'air bien, bave glissante. Ah oui, le voilà! C'est le bustier de l'ermite. Hein. C'était quoi ce bruit? Oh les monstres, au secours! Au secours!
Oh putain, non, il faut la protéger. Quel enfer. Pire quête, les pires quêtes, les pires quêtes. Non, non, non. Oh, elle est déjà midlife. Ah là là, l'enfer. Oh non, elle va canner. Oh non. Ah bah oui, je vais essayer, oui. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Est-ce que c'est pas mieux si je prends la rôdeuse? Non, il tire dans le bon sens, connasse! Elle sert à rien, elle sert à rien! T'es une soldate ou quoi? Oh, c'est un enfer, il y en a encore. Mais non, mais attendez! Mais comment. Comment je suis censé la protéger de tout ça, moi? Ça va être compliqué quand même, hein. Attendez, j'ai pris un niveau. Ok, let's go. Ok. Ok, ouais, faut vraiment, vraiment faire les choses intelligentes. Et je crois que c'était le dernier. Filons d'ici. Et quant à ce bustier, ça ne sert à rien de l'emporter. Comment ça ne sert à rien de l'emporter? Je suis venu là pour rien. Mais c'est pas passé loin, vous m'avez sauvé la vie. La prochaine fois, on arrivera peut-être à trouver quelque chose d'utile. Merci. Connasse. Bon, moi j'ai passé niveau 7, quoi, c'est déjà ça. Super. Vraiment content. Vraiment content d'être passé niveau 7. Vraiment content. Ok, bon, on va continuer les autres quêtes de la guilde. Pendant ce temps-là, glissons. Oh oui! Ah, oh, Albetta, il m'a touché. Un point de sauvegarde, tiens donc. C'est ça, des nonos, un tas de nonos. Si ça se trouve, je vais pouvoir me transformer en squelette plus tard et ce sera très utile. J'y crois à mort. Au revoir. Ok. Ah, ça veut dire qu'il y a un donjon ici. Je suis déjà au donjon, mais en fait, ça va plus vite que ce que je pensais. La map est pas si grande que ça. Encore que. Ah non, c'est loin. Un vendeur ici. Pas de sens, allons voir ça. Oh là là, cave draconique. Niveau 30. Niveau 30, peut-être pas. Je suis pas sûr d'avoir le level. Les ennemis niveau 6 là, ils m'emmerdent avec du niveau 30 quoi. Ok. Écoutez, allons explorer un peu. Allons voir ce qui se passe par là-bas. Ok. Oh, mais une fée là-bas. Elle est où? Oh, elle est derrière les rochasses.
clairement pour l'instant c'est inaccessible. On va essayer de visiter tout ce qu'on peut. Hein. Ça va être la journée visite. J'ai plus de mana. C'est qui Jean-Mich ? Le quoi ? Mais dans le temps, cette forêt était magnifique et luxuriante. Ça, c'était avant l'affrontement avec le dragon. Après le combat, seuls quelques arbres tenaient encore debout. Tout le reste a été ravagé. Très bien, tu ne sers à rien. Je suis vraiment content de savoir que tu ne sers à rien, quoi. Allez hop, on y va. Casse des gueules. Ok. La limace. C'est le meilleur mob du jeu. Petite sauvegarde. Oh, il y a monde. Hop. Hop. Trrr. Tellement de vitesse. Tellement puissante cette limace. Ouais, j'ai un espèce de focus limace aujourd'hui. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut monter là-haut. Est-ce que ça nous sert à quelque chose? Je ne sais pas. Point de sauvegarde ici. Là, il y a un donjon au niveau 30. C'est énorme. La forêt là ne nous sert à rien. On va essayer de passer dans la petite caverne qu'on a en bas. Qu'est-ce que je fais? Hop. J'ai entendu un bruit chelou. Un martal bien vif. Il est incroyable ce marteau, qu'est-ce qu'il fait? Allons lui parler. Réfléchis mon sang, réfléchis. Et qu'est-ce que tu veux toi? Mais c'est quoi mon problème? J'ai pas trouvé le dernier morceau de pierre. Mais il est gardé par des monstres. Voilà mon problème. Et c'est pas comme si on pouvait le régler d'un coup de baguette magique. Il y a que ce coup de baguette que j'ai fini comme ça, alors ça résout rien. Mais attends, c'est pas une baguette ordinaire ça. On peut peut-être pouvoir céder l'un à l'autre. Avant de refuser, sache que je peux la réparer ta baguette. Pour l'instant, elle marche qu'à moitié. Ouais, je m'y connais un peu en magie, en métamorphose. Et voyons voir si c'est. Mais bon, ne bouge pas. Et voilà. Maintenant que ta baguette est réparée, au boulot. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ce con là? Toutes les formes que tu peux adopter là, eh ben elles peuvent désormais emprunter les compétences d'autres formes. What the fuck? Comment ça? Attends. J'ai pas lu. M'en fous pas lu. Essaye de personnaliser ta forme. Appuie sur ce sens, besoin de choisir un emplacement et appuie sur A. Oh. Le menu équipé. Oh mon dieu! Attends. Quoi? C'est-à-dire qu'on peut faire ça maintenant avec lui? Essayer d'ajouter des compétences de dégâts tranchants et d'ombre. What the fuck? Pas mal du tout. Et maintenant, utilise cette forme personnalisée pour m'aider à récupérer cette pierre. Oh putain, mais d'accord. C'est incroyable. Ah, c'est tout. Ah, mais d'accord. C'était une sorte de petit tuto, quoi.
Et t'as réussi. Merci pour ton aide. Le morceau de pierre est enfin moi, qu'à moi. Et rien qu'à moi. Et continue à gagner des niveaux et tu débloqueras d'autres emplacements. Un nouvel emplacement passif vient justement d'être débloqué. Tu devrais y jeter un coup d'œil. En fait, je m'appelle Marty Joe. Et j'ai comme qui dirait un compte à régler avec l'enflure qui m'a maudit et... C'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Mais c'est pas du tout le morceau manquant. Je cherche un qui ressemble à un petit triangle. Ça c'est juste un caillou. Très bien. Mais attends, mais ça veut dire que je peux ajouter des compétences à ma limace? Attendez. Parce que là, si je prends la limace, ça veut dire que je peux lui attribuer d'autres compétences. Genre du poison. Et genre la possibilité d'aller plus vite. Ou de tirer une nuée de flèches. C'est bien ça. Si on fait ça. Oh putain. Ça n'a plus aucun putain de sens. Donc maintenant mes larmes de ouf font du poison donc. C'est incroyable. C'est comme Zelda mais en mieux. Il y a des crabes. Oh ah. C'est d'où? Vous êtes qui? Dans les gros crabes, il y a des petits crabes. Putain, on vit des choses incroyables. Oh, j'ai plus de mana. Quelle tristesse. Mais attendez, mais est-ce que... Je peux rien casser ici. Ah, c'est ça. Et hop. Le dash. T'es qui? T'es personne de toute façon, toi. Ok. Donc là, si on va vers le bas, on peut arriver à Top-Topi. Comment ça, Wanted? Oh, c'est le perso de lui là au milieu. C'est un des persos de Guacamelee. Attendez, laissez-moi vous regarder un instant. Oh, vous n'avez pas une tête de personne. Et vous pensiez pouvoir me tromper, je sais exactement qui vous êtes. Vous avez enfreint la loi, les marchandises volées sont confisquées. Vous devez maintenant purger votre peine. Comment ça? Oh, il faut bien retrouver Randy pour le prévenir. Oh mais non, mais je suis en tôle. Allez. Ah mais je reste une limace. Ah bah écoutez. Oh, à l'aide. C'était pas prévu là qu'il débarque lui. Mais c'est quoi ces crabes chelous? Qui lâchent des coups de tête. Coups de tête balayette. Personne n'agresse la limace. Joue la limace. Oh, je brûle de plaisir. Ah oui d'accord, ils ont une distance d'attaque assez craquée. Ok, très bien. On s'en sort pas trop mal. Let's go. Tool. Ah bah très bien. Ok. Mais attendez, mais je peux aller au donjon direct là? Comment ça? Effusion de l'arme 2. Oh, je monte de niveau. Je débloque la sirène. Oh mais ça... Ça a l'air infini! Ah, une vraie sirène, hein, comme chez Ulysse et tout. Hein. Un projectile à queue qui inflige des dégâts d'aspersion aux ennemis proches. Maintenez A pour charger des attaques plus puissantes. Rend 5 points de mana. 4% des dégâts que vous subissez sont convertis en mana. Eh ben, très bien. Faut que je fasse quoi avec lui maintenant? Ralentissez les ennemis avec la bave glissante. Projeter 20 larmes sur un ennemi avec une seule effusion de larmes. Que? Ok.
Infliger des dégâts contondants à des ennemis. Ça, je peux le faire. Récupérer du mana avec la technique roi du tiercé de la jument. C'est infini. Demi-donjon. Bah écoutez, allons se faire un demi-donjon, pourquoi pas. Après tout, je suis une limace ou je suis pas une limace? Sont les méchants. Ils sont où les méchants? Ils sont où? Ah, ils sont là. Ah, ils sont là. Ils sont bien, bien là. Hein. Oh, ils sont là aussi. Ah, l'aide. Malheureusement pour eux, j'ai du poison. Ah, je brûle, je brûle. Comment je brûle? Peut-être que j'arrête de brûler un jour. Hein. C'est chaud quand même. Oh putain, je brûle à nouveau. Je n'ai de cesse de brûler. Mais comment ça? Attendez, ouais. Je lui fasse des dégâts de quoi? Dégâts d'ombre. Je fais pas des dégâts d'ombre avec ma limace. Bah si, mes attaques infligent 16 points de poison. Théoriquement, si je fais ça. Ah voilà. C'est mieux là. Et putain, le feu c'est relou. Ok, merci. En plus, il y a de la bouffe. À ne plus savoir qu'en foutre par ici. Voilà, qu'on s'emmerde après tout. Pardon ? Oh la fatigue des gens quoi. Ok, let's go. Vraiment trop bien ce limace. Best personnage du jeu. Il faudrait que je change un petit peu, ça. On tourne en rond avec la limace, quoi, à force. Hey yo! Y'a quelqu'un? Tu peux me filer un coup de main? Vas-y, bro. Vas-y, bro. Ah, merci, j'ai voulu jouer au plus malin, je me suis retrouvé enfermé dans cette cellule. Hein. Ah, juste parce que tu m'as sauvé, je viens de dire un secret, je suis parti de la guilde des voleurs. Qui sait, on se verra peut-être dans ces quatre. Ok, bah voilà, une quête de plus de fête, hein? Quel plaisir. Toujours plus d'étoiles. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'inflige des dégâts contondants. Mes ennemis, avec la limace, bien sûr. Je trouve que ça fait sens. Si j'ai des dégâts contondants avec une limace, pas où est le problème. Ok, la clé c'est bon. Allons-y, barrons-nous. J'ai une clé, mais je ne sais pas du tout à quoi elle va me servir, hein, ceci dit. Non.
je refuse de brûler. C'est parti. C'est vrai que sans la vitesse, c'est un peu... comment dire? Ah, il faut que je me fasse les deux, donc. On regagne masse mana quand on détruit les objets. C'est incroyable. On va se faire les crabes, déjà. Ils sont poisonnés. Voilà, t'as vu les dégâts contendants, voilà, t'en as. Merci. Au revoir. Il y en a encore un ? Ok. Hop, quelques dégâts contondants. Au revoir. Je prends pas beaucoup de risques. Merde. Je m'ai coincé. Oh putain, les cons. Ah, y'a du monde, y'a du monde. Ok, ok. Ça contonde. Straight from contonde. Au revoir. Donc là on est bon, j'ai encore amélioré ça. Oh là là, quel talent. Fallait que je fasse quoi encore? Fallait que je fasse un truc impossible, genre récupérer du mana avec la technique roi du tiercé de la jument. C'est quoi la technique roi du tiercé? Je peux pas l'utiliser ça, je l'ai pas. Je l'ai app. Attendez. Du tiercé, s'ils sont utilisés pour briser des objets, les coups spéciaux rendent 4 points de mana de plus. Ah bah allons-y. Allons briser des objets avec roi du tiercé. Et bien c'est parti. Oh bâtard! Les coups quand même. Je suis pas le meilleur dodger du monde. Est-ce que ça marche au roi du tiercé? J'ai pas l'impression que ça marche, ça m'agace. Attends, on est d'accord que c'est un coup spécial. On va essayer ça. Ah oui, non, mais c'est les coups normaux, c'est pas les coups spéciaux du coup. Oh là là, mais on se mélange les. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Allez, bye. On va essayer de les faire approcher un peu. Parfait, en plus, on a mis les 20 larmes dedans. Oh là là, parfait, parfait. C'est trop bien. C'est trop bien. Je vis ma meilleure vie. Meilleure vie de larve.
J'aimerais bien le monter rang B, la limace, avant de passer à autre chose. Parce que là, certes, on monte de niveau, tout ça, mais... Oh non, on a plus de... On a plus de mana. Du coup, on va se traîner le huc. Quelle tristesse. Ah oui, d'accord. Subtilité. Toujours. Des trucs là-bas ? Il y a des trucs là-bas, parfait. En plus, il y a des thunes. Hop, let's go. Oh, des billets dans les chandeliers. Qui l'a cru ? Mais pourquoi ? Je suis monté comme un idiot. Ah les bêtes, ça. Les grands bats. Oh, c'est ok. C'est ok, ça me va. Il y a de la bouffe partout. Il y a de la régène à ne plus savoir qu'en foutre. En vrai, je sais pas si je le continuerai jusqu'au bout le jeu. En live, en tout cas. Mais c'est très intéressant. Très intéressant. Ok, encore un truc qu'on peut valider, bave glissante 2. Allez, encore un truc et on monte de niveau tranquillou avec notre limace. Encore quelques objets à péter et on sera bon. On arrive au boss d'ailleurs. Oh là là, beaucoup trop de feu hein. Pas très fan de l'idée. Ok. Il se prend les coups de feu dans tous les sens. Ah merde, j'avais pas vu lui là-haut. Ok. Ils sont pas super compliqués en vrai. Juste réussir à leur mettre les bonnes altérations quoi. Oh, oh là ça devient chaud là. Comment c'est voir du peuple ici hein. Démonter les crabots. Rester au milieu. On met du dégât. Plus grand des calmes. Petite esquive. Et hop. Parfait. La limace quoi. La limace quoi. Rien d'autre à dire à part la limace. J'ai fini le donjon de la tôle. Donjon de la tôle quoi. Et on a validé bah, le donjon de la tôle du coup. Il nous reste quoi ?
Ralentissez 5 ennemis d'un coup avec bave glissante. Honnêtement, easy. Hop. Et let's go. Trop easy. Tellement aise. Ouch. Regarde où tu vas. Hein. Tu sais qu'il y a une guilde des voleurs dans le coin. La prochaine fois que tu rentreras dans quelqu'un, tu t'en sortiras peut-être pas si bon compte. Enfin, plus tard. Très bien. Merci le sbire. Il avait l'air sympa. Mais vos étoiles, elles ont disparu. Le bâtard. Le petit Bats. Si tu veux revoir tes étoiles, ramène-les. Ramène-toi à la maison au toit bleu près du lac bitumeux. Le mot de passe, c'est mot de passe. A très vite. Guilde des voleurs. Bah très bien. Et nous on va s'arrêter là, je pense, pour cette VOD en tout cas. On va sortir du donjon de la tôle. On va juste finir notre petite quête qui nous reste là. Et la fête de la ferraille, la fête de la ferraille. Rien n'arrête la fête de la ferraille. Très bien. Et vous là, reculez, saleté, on vous arrache un bras. Hein. Et bienvenue au désordre. Oui. Ils sont les services de sécurité autonome de la fête de la ferraille. Les peuples se remis tous les ans autour du haut-bord antique. Enfantant des membres aux habitudes de mortalité. Oh. C'est infernal. Une tripotée de monstres mystérieux a débarqué la nuit dernière après la tempête. Elles ont recouvert notre robot, pièce maîtresse de notre festival, de cette substance ignoble. Les gens sont derrière notre authentique habitude. C'est dégueulasse. Le service de sécurité a déjà capturé non pas un, ni même deux, mais trois monstres. Il y en a un qui se fera mal. Oh, d'accord, deux monstres. Il ne reste plus que 498 à choper. Ah, plus que. C'est bien, rester positif dans la vie. Ok, très bien. Sauvegardons. Alors, j'aimerais bien finir en cassant des trucs. Ah parfait, il y a des trucs à casser. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'était pas un achèvement. Apparemment pas. Pas assez de monstres. Ok, donc là on a le donjon robot antique. Très bien. Mais cette musique incroyable! Et là on peut passer parce qu'on a la limace. Et ça c'est du génie. La limace ou le rat nous permettent de passer dans des petits chemins. Parfois fort inaccessible avec d'autres personnages. Ah, le bâtard, il peut nous tirer dessus à travers. Eh bien, nous aussi. Ok, très bien. On va essayer d'aller choper le deuxième coffre tant qu'à faire avant d'arrêter. Non. Mais n'a rien, ça ne sert à rien. Non. Qu'est-ce que je fous? Ok. Oh les bâtards. Ils sont nombreux. Ok. Très bien. Oh mais what, encore un donjon, mais ça s'arrête jamais. On va quand même essayer d'y aller. Non, c'est pas un donjon, c'est... Allez vite, laissez-moi vous dire une chose. La vie est un labyrinthe. Et concentrez-vous uniquement sur sa sortie et vous raterez tous les trésors en chemin. Très bien. T'as vraiment que ça à me dire, mec? Eh bien, très bien. Moi, je me casse. Et le coffre là-bas, là. Ah, voilà, il est par là. Il est par là. Il est par là. Il est par là. C'est moi qui ai louché. C'est moi qui ai louché. Et voilà. Parfait. On va pas se faire le gros donjon direct, je pense. Oh, quoique, peut-être la prochaine VOD. On va y réfléchir. Est-ce que j'ai le niveau pour le faire? On va aller checker vite fait. Quel niveau est demandé? Tum, 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 tum.
40 étoiles. Niveau 15, ben je l'ai pas de toute façon. Allez, sur ce YouTube, le robot antique, on verra la prochaine fois. Je vous fais des bisous et je vous dis eh bien à tout à l'heure, tout de suite, demain, dans deux jours. Ça dépend quand on sera bossé la vidéo. Au revoir, des bisous.